cliniques de ce vaccin qui ont été faits à 2000, sur 2000 volontaires en bonne santé. Il a été répertorié 7 morts des suites directes de ce vaccin. Donc 7 morts sur 2000 personnes qui ont testé le vaccin alors qu'elles étaient en bonne santé, c'est un taux qui est totalement inacceptable pour mettre sur le marché un médicament. Et bien figurez-vous que l'agence de mise sur le marché a fait comme s'il n'y avait eu aucun problème dans la mise au point de ce vaccin et a approuvé ce vaccin. Donc moi je ne comprends pas comment il y a eu autant de complicité et autant de personnes qui ont fermé les yeux alors que ça crevait les yeux, je dirais, depuis le mois de mai. En tout cas, depuis le mois de mai, c'est clair pour moi qu'il y avait quelque chose qui était en train de se préparer qui n'était pas correct au niveau des processus de mise en marché des médicaments, enfin du vaccin ici en l'occurrence.